Oh, purée. Oui, bah, les PNJ sont pas construits comme les PJ. Ouais. Les 5. Et donc, bah, je l'utilise maintenant. Il a réussi son jet de protection. C'est pas grave. Je le mets pas au sol. Je continue. Ouf. Il est toujours en tenaille. Et donc là, c'est, il a pas de réaction. Il a pas de réaction. S'il faisait quoi, c'est pareil. C'est un jet de dex aussi. Bah, je crois que c'est direct. Non, c'est direct. Il y a pas de. Mais je crois pas qu'il y a pas de jeu de protection, rien. Il y a pas de blabla. Il y a pas de JS là-dessus. D'accord. C'est pour ça qu'au début, je faisais plutôt la réaction avant. Okay. Je continue donc. Hop, troisième. Il a droppé un. C'est ouais. Passé là le. Il a droppé le 10. J'ai l'impression. Par contre, tu le tapes pas là, si. Le 10, non. 10 à 17. Droppé 1, 10 plus 1, 17. Ouais, le token, on, je pense qu'on peut pas le sélectionner. Déjà, oui, ah, mais c'est oui. Ça, je peux pas le sélectionner. Alors, du coup, les dégâts que je lui ai fait, j'ai pas fait de dégâts non plus. Ah, mais non, mais c'est rien, c'est que moi je vous ai pas mis dans le. Sur le bon calque. Sur le bon calque, normalement aussi. Je sais pas, si. Attends, j'ai pu me déplacer, hop. Donc caché dans le bon calque. Ça y est, je suis remis dans le bon calque. Max. Et ouais, si, je peux le sélectionner maintenant. Et là, tu vas pouvoir. Ouais. Et donc, il s'était pris mes coups ou pas hein? Alors, attends, du coup, je regarde. Bah, je pense pas. Je crois pas non plus. La première attaque, t'as fait 20, donc oui. Mais par contre, tu avais pas fait les dégâts. Et t'avais fait combien? 10. 10 de dégâts. Il a pas une réduction de dégâts quelconque. C'est ce que je regarde. Ah oui. Il résiste. Si, il résiste. Donc déjà il a pris que 5, puisqu'il prend la moitié. La première attaque. Ensuite tu as fait une attaque deuxième, à 14, fait... elle est ratée. Non, il n'y a pas eu de 14. Ah non, 21. 21, 21. 21. Ça touche aussi. Et j'avais fait 7. 7, donc arrondi, ça fait 3 de plus. Par contre la troisième était à 17. Troisième attaque à 17, ça touche aussi. D'accord. Tu peux faire les dégâts, cette fois-ci okay. Ça devrait fonctionner. Oui, et ça fait la résistance. Ça fait la résistance, ok. Et donc là, je le déplace. Donc, c'est un JS de force. Ouais. Toujours à 15. À 15. Alors, je l'éloigne et je le déplace pas. Je le déplace pas. Tu vois qu'il se rattrape avec ses ailes. Ok, donc la quatrième, où j'essaye encore de le déplacer, mais que de toute façon, je miss. Voilà. On t'a libéré Altiris pour... Bon, bah voilà. Là, Bénédicte, tu viens comme un fou, là. Tu vois en face de toi. Un démon, un vrai. Oh, enfin un démon. Ça fait longtemps. Eh bien, je l'attaque violemment. Péri, ordure communiste. Ouais. Ou pas. Je lui mets deuxième attaque. Non, c'est pour être communiste. Oh là 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 là, mais quel talent. Il est fébrile, et c'est la première fois qu'il voit. Oh, le démon. Bah voilà, hein, c'était pas mal. Ah bah égal à lui-même, hein, Bénédicte. Hein. Alors, je vais décaler mon initiative à Altiris. Ouais. Je vais dire, Altiris, lance-moi la fiole. Putain, la loupe. Passe-moi la fiole. Quelque chose me tue. Je te mets après lui, enfants. Alors. Ouais. Mais du coup, c'est au démon. Bah oui. Ok. Alors, moi je me prends... C'est au démon. Ah, c'est au démon. Merde. Ouais. J'ai la mauvaise nouvelle. C'est le début de son tour. Vous voyez que il se régénère en partie. Oh non. Il se prend moins de 10 et se régénère de 10. Hein. Non, c'est pas du jeu. Donc ça c'est son truc. Ensuite il déploie ses ailes un petit peu là. Il est légèrement en hauteur hein, et il se sert de ces espèces de dards là, qu'il a comme une
comment dire, une menthe religieuse et la plante sur Altiris. Bah oui. On... Et ça touche. Et ça se plante. Et ensuite, il essaie de t'attraper avec ses mains, avec ses bras. Il essaie de t'attraper pour te... Il t'empoigne. Fais-moi un test de force athlétisme. Bon, il doit être fort. Un test, hein, pas un jet de sauvegarde. Un test d'athlétisme. Il a réussi et plus que toi. C'est bizarre. Bon, alors ça, je suis surpris quand même. C'est étrange. Et le problème, c'est que tu es empoigné. Ça va être chiant pour nous balancer la fiole. Là, ça va être gênant pour remballer la fiole. Ouais. Bah, c'est pas grave. On va utiliser l'âme de feu. Hein, on n'avait jamais utilisé. Empoigné, tu peux plus te déplacer. Tu perds tes bonus de vitesse, on s'en fout. Bah, pas plus. C'est tout ce que ça fait, un poignet. Et quel level, là? On est 5, hein. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, un poignet? Attends, je vais regarder, mais... Parce que j'ai les cartes, alors. Les cartes. C'est vrai que... Je vais pas sortir à côté de moi. Ah ouais, il faut les... Un poignet. Ça se termine. Non, c'est que tu peux plus te déplacer, c'est tout. Vitesse d'une créature en poignet est réduite à 0. Voilà. C'est. Mais c'est tout, hein. Ça t'empêche pas de jeter des sorts ou de faire quoi que ce soit, quoi. C'est bizarre, hein. Alors, cet état se termine si l'empoigneur est neutralisé. Ouais, voir cet état. Là, se termine. Il est neutralisé. En effet, emporte la créature à l'employé au-delà de la... Non, c'est qu'il t'empêche de bouger, en fait. Ben, c'est pas le tiris, je sens. Ben moi, je fais une âme de feu, du coup, hein. Alors, par contre, là, il a un jet de sauvegarde, j'ai l'impression... Oui, t'ouvres ta âme de feu. Vous entrez d'une œuvre de feu, blablabla. Un jet de sauvegarde de Dex permet de réduire les dégâts de moitié. D'accord. Mais ah oui, d'accord, j'ai pas fait le jet pour toucher. Là, qu'est-ce que il je fais? Il est pas scripté. Non, mais il est pas scripté. Il aurait fallu que je fasse le. Et le premier effect âme de feu, machin. Attends. Et jet de sauvegarde. Par rapport à ton intelligence, c'est ça? Je sais pas. Dex, mais... je sais pas. Merde. J'ai sauvegarde, j'avais rien compris. Non, c'est un jeu de sauvegarde. Les gars, ouais, bah c'est des D16 de toute façon. J'ai deux Dex. Ça serait ça. On va faire ça vite fait là parce que sinon, hop, sauvegarde. 16 réussi. Donc tu prendras que la moitié des dégâts. Faut que tu cliques sur moitié du coup. Ouais. Avant de faire les deux D6 de feu. Okay. Partially resisted en plus. Super. Voilà, ça y est, je l'ai scripté comme il vaut, hein, ta name de feu. Maintenant, tu auras le dé de Ben, tu sais, pour. Et le premier, alors, c'est quoi? Ah oui, c'est parce qu'il faut que je me le lance quand même. L'autre, c'est l'effet sur toi, t'as deux en classe d'armure de plus. Ouais. Ça me l'a lancé dessus ou pas? A priori, tu l'as l'effet. Je vois pas dans le combat tracker. Je vois pas. Ouais, je vois pas.
Voilà, c'est mieux. Oui. Ouais. C'est mieux, c'est bon, je l'ai. C'est que la nème de feu, il fallait la scripter que sur toi. Moi, mais c'est pas grave, je l'ai lancé sur moi. Ouais. Ok. Pas Max, donc, du coup. Maxime. Du coup. Comme il t'a pas lancé. Hein. Bah, comme il m'a pas lancé là. Tu vois, je suis passé en Super Saiyan quand même. Ouais, il vient de passer. Je vais m'avancer et. Et tu vas brûler là. Bah voilà, tu brûles. Bravo. Bah non, pour tout. Bah c'est 1m50 hein. C'est un action. Ah oui, oui. Ah oui, pendant ton action à toi. Pas pendant tout le round. Non, jusqu'à le prochain round. Ah, jusqu'au prochain round. Ah, super. Donc, je avance pas s'il y a du feu. Hein. Ouais, je pense que tu le vois le feu. Et que tu doutes que ça se brûle. Ça brûle, hein. Et l'eau, ça mouille, hein. Ouais, c'est sûr. Du coup, je le vois. On va bien, là. Voilà. Voilà, donc effectivement, je m'approche pas. Mais tu me la fuis, c'est foutu. Attends. Lance un sort. Bien comme ça. Et du coup, je vais utiliser mon arbalète. C'est les budgets de la prod, ces effets spéciaux en direct. C'est du Michael Bay, hein, putain. Pas les lapins crétins, c'est les bouts de feu crétins. Ouais, j'utilise mon arbalète. Pour choper la fiole ? Non, pour tirer sur Altiris. J'ai l'impression d'avoir rien fait, en fait. C'est ça, c'est une bonne déduction. Finalement, ils étaient plus faciles, les groupes de machins, là. Oui, ouais, remettez-nous les 100. Ah, c'est encore à moi, putain, c'est encore à moi. Bah, je vais continuer. Mais file-moi. J'ai pas vu qu'il y avait un reset. Et tu veux pas te décaler pour peut-être avoir... L'opportunité, bah, il comprend rien. On est foutu avec ça, de là. Il comprend rien, putain. Alors, je vais utiliser mon arbalète et je vais tirer. Me curer des démons. Et ça loupe. Voilà. Et puis. Pardon. Belle double action. Ouais, et je balance. Balance la gueule. À côté de chez Tarn, je te trouve. Enfin, tu vois quoi. Mais en même temps, il y a quand même un sac de feu qui m'empêche d'arriver. Hein. Enfin, Franck, si j'essaye les déluges de coups et dans mes déluges de coups de le bouger, est-ce que ça le détachera d'Altiris ou est-ce que non, c'est pas la peine, il vaut mieux que je fasse une action, genre je lui saute dessus et j'essaye de le décrocher. Vas-y, saute dessus, ça brûle là, c'est bien. bon petit méchoui. Ça sent le chat grillé là. Oui, ça fait partie. C'est justement ce qu'expliquait Steph sur l'état en poignet. C'est que les effets qui le déplacent et tout peuvent lui faire perdre la poignade. Ça, ah, très bien. C'est ce que tu m'as semblé qu'il disait. Et est-ce que tu considères qu'il est toujours en tenaille malgré sa situation ? Moi je. Pas vraiment. Pas vraiment, puisque Altiris ne présente pas une. Ouais, je le menace pas vraiment là, si tu veux quand même. Bon bah donc, de toute façon, déluge de coups. Premier coup. Aïe, il a compris son personnage. C'est bon, pour un prône. C'est pour tenter un prône. Ouais, mais déluge de coups, c'est à chaque fois un point de ki. Ah oui. Et t'as été limité en jauge là ? Ah bah oui, j'en ai plus qu'un là maintenant. Ah, tu te mentais pas, hein. Et j'ai de la réserve, mais c'est pas sans fin, hein. Ouais, c'est ça, un poignet. Et ça termine si un effet emporte la créature en poignet au-delà de la loge de l'empoigneur. Si tu arrives à le déplacer d'une case, il sera plus employé. D'accord. Bah là, j'essaie juste de le prône. D'abord, tu commences par le prône. Sauvegarde Dex à 15, c'est ça ? Ouais. Ouais, il n'y a pas prône. D'accord. Maintenant, on va essayer de le. Oh ! Ben, critique. Petit critique.
Et donc là, c'est sur sa force le Dex A15. Enfin, la Dex, qu'est-ce que c'est ? Le JS, force A15. Désolé. C'est pas grave. J'en remets un. Miss. Et le quatrième. Miss. Et voilà. On a essayé. Bénédicte. J'ai fait un dessin pour représenter notre... Votre groupe ? Notre groupe, ouais. Voilà. Après, c'est pire qu'un roll and play, regardez ça. Et Rémi croque en direct. C'est magnifique, hein. Ah oui, non, c'est pas aidé. On voit le talent. Le talent du dessinateur. On va faire comme dans roll and play, hein. Je vais dessiner au fur et à mesure. Non, mais là, on est à deux doigts. Tu devrais avoir une deuxième caméra. Un point de vue public et tout, quoi. Les effets spéciaux. Ouais, roll play des joueurs et tout. On est top, les gars, on est top. Je vais commencer à relâche mon ami. Ouais. Oh, le roleplay, il est là-bas. Hein. C'est celui qui a pas la caméra. Effectivement, tu. Pour le débrief, on se voit après. Bon, alors, je vais donc faire un châtiment du mal plus élémentaire. Élémentaire. Au niveau 2. Ah oui, mais c'est pas scripté niveau 2. Oui. C'est un truc supplémentaire. Hein? Deux. Châtiment du mal. Il fienne de ma chaîne, hein. Il est pas scripté. Ouais, mais je lance un sort de niveau 2, donc ça fait un déduit de plus. Ça, c'est pas scripté. Il faudrait que j'en fasse un. Faut que j'en crée un deuxième, en fait. Attends. C'est Divine Spite, c'est ça? Ouais. Je sais pas. Tiens, t'en as un là, c'est juste qu'il est en anglais, mais il sera bien scripté. Ouais. T'en as un qui est paru, Divine Spite, c'est Châtiment du Mal. Et tu as le deuxième effet là. Et le déduit radiant en plus, tu peux le prendre de là. On modifiera ta feuille plus tard. Il faut le rajouter après, tu vois. Ah, t'avais récupéré tous les effets que le mec avait fait là hein. Ouais. Donc c'est le mec il a scripté, hein. Bon, c'est pour DD, c'est pas pour Hero Dragon, mais je me suis inspiré. Tous les persos jusqu'au niveau 20. Il a fait toutes les classes de persos aussi, jusqu'au niveau 20. Il scripte toutes les capacités. Ah, je les ai récupérées aussi. Bah, c'est utile. Oh la vache! Oh la vache! Oh, ah oui! La patate! La vache! Ah bah, j'ai un sort du niveau 2. Hein. Attends, ouais. Hop. Bah, je fais un deuxième coup. Hein. Moi, touche aussi. Parce qu'il va prendre cher là. Tu l'entends hurler. Ah oui, il a pris cher. Ah mais il résiste pas là. Et non, c'est du radiant que tu fais. Non. Ouais, ouais pas sur ma deuxième attaque. Ah, flashing quand même, c'est magique. Ah c'est magique, oui. Les armes attaques magiques que tu fais. Et chez Tarn ne fait pas encore des attaques magiques, ça sera au niveau 6. Qui fait les armes dégâts sont magiques. Okay. Les attaques à menu. Altiris, bah il refait sa radiante, hein. oui, ça, bah, c'est scripté cette fois-ci, tu peux lui faire tes dégâts de foule. Ah, c'est pour pas faire chier Max. Ah, il a raté son jet de protection. Bon, bah voilà. Et je me débat. T'as le droit de faire un jet, non, d'athlétisme plus... Ah, peut-être d'athlétisme, non, oui. Si je me débat. Logiquement, c'est dans les règles, hein. Oui. S'il se débat. Ah oui, débat-toi. Pas de débat. Cra 18. Ah, c'est bon. Attends, incroyable. C'est un test en opposition. En opposition, hein. Il crut qu'il pouvait se débattre autant. Attends. Et tu te libères. T'es plus fort que le démon. Oh là là, Altiris plus fort que il le démon. Il se libère tout seul. Ça, écoute, c'est un grand bonhomme. Je t'enlève bonhomme. Les libéré. Grapple. Pardon. Vous pouvez ne pas chanter, ça sent pas mal. Balance et pas dans la tête du démon. Quoi, ta fiole, toi-même. Quoi, ma fiole. Bénédicte, tu vois qu'il a pas... Il avait déjà fait l'attaque. Ta blague. Il se retourne vers toi. Et te rate avec sa pique.
du coup, il te rattaque et te loupe tout autant. Cours, Alteris, cours. C'est je vérifie. Je lève ma jupe. c'est bon. Altieri, c'est à toi. Non, c'est Max, pardon, qui gagne l'initiative. Décale ton initiative. Pardon. Je décale mon initiative à celui d'Altieri, parce que je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'il me balance la fume. Maintenant, je vais courir. Ah, vas-y. Alors qu'il est plombé. Bon, je fais un pas de placement. J'enlève la. Y a plus la lame de feu, là, par contre. Hein. Comment? Tu as plus le. La sphère de feu, c'est ça? Bah non, parce que j'ai envie de me rapprocher de... si tu te rapproches de moi avec la lame de feu, forcément, avec le dentier, la lame de feu. Moi j'ai une manique. Bon, ouais, je te tends la fiole, monsieur le tourneur. Attention, c'est chaud. Tu vois qu'il y a des petites bulles dessus. Et en plus, tu lui prends mal parce qu'il te dit tiens ta fiole. Bon, et puis je passe mon tour. De toute façon, je me suis déplacé, j'ai donné la fiole. Voilà, et moi je me mets à couvert. Tu t'es pas juste déplacé, hein. Tu peux continuer à te déplacer, mais tu prendras une attaque d'opportunité. Oui, ben voilà. Est-ce que t'as envie de prendre... Donc l'action de courir, ben, tu peux faire donc un double déplacement, c'est ça? C'est pas indiqué, en fait. Hein. Si, c'est l'action de se précipiter. Se précipiter. Tu fais ton déplacement et tu fais l'action de te précipiter, qui te permet de te déplacer à nouveau de ton déplacement. Ben, voilà. C'est écrit dans le livre derrière toi, Stéphane. Oh. Et tu arrives jusque-là. par contre, effectivement, tu as fait ton action, quoi. Ah, c'est ça. Ouais, je suis pas trompé. Bah moi c'est toi. Ouais. Je souris au démon. Je sens le téléportation. Je sais pas pourquoi. Je fais un selfie avec lui. Mange du plomb. Eh ben, je refais un châtiment du mal. Allez, c'est parti. Allez. Et toi, on parle de le châtiment du mal. Encore un petit châtiment du mal, ça fait du bien, hein. Bah ça fait du mal. Ça fait du bien ou mal. Ne t'approche pas de ce trône. Moi que tu parles. Que tu peux il écrit AU le trône, hein, parce qu'il fait du trône. Tiens. Trône. Tiens. Mange. Saleté, pourriture. Je parie qu'il préfère, s'occuper de Max. Je sais pas pourquoi, hein, une intuition comme ça. Ton intuition est bonne, il se téléporte et il a parié derrière Max. T'inquiète, je vais lancer une boule de feu. Attends, je suis l'ordonne. Lance la fiole. Ah, automatic miss. Lance ta fiole. Oh, c'est beau ça. Oh, pas de bol. Oh, c'est pas de bol ça. C'est pas de bol. Oui, quand on se précipite alors qu'on a du sang. Ouais. Max lui pose une main affectueuse sur l'épaule. Je fonce dessus, j'ai combien de déplacements déjà? 10-15 plus 2. C'est les moines. 10-15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je me précipite, j'arrive, il me faut 2 cartes pour me déplacer. Sans problème. J'ai terminé. On a un bon, ça y est, ping. Je termine avec mon dernier déluge de coups, allez hop, c'est parti. Comme un chat qui aurait vu un concombre, quoi. Il est parti d'un coup, quoi. C'est ça. Ah, j'essaye de le déplacer direct. Ça va nous faire tout drôle qu'on va retourner à des vrais jeux de rôle, pas cheatés, hein. Ah oui, oui. Où t'auras une demi-attaque au level 2, 2 points de dégâts. Donc, un jeu comme ça. Un JS de force, Franck, à 15, pour le faire déplacer. J'ai l'air de con, hein. Et hop! C'est qui comme?